Bonjour les amis et bienvenue pour comme promis les petites histoires paranormales. Donc vos histoires paranormales parce que j'ai reçu pas mal de mails avec beaucoup de belles histoires. Donc c'est vrai qu'à la base je ne savais pas du tout combien j'allais recevoir de mails. Je me doutais bien que j'allais recevoir mais je ne savais pas combien. Donc je m'étais dit si j'en ai de trop ou voilà, peut-être que je n'en ferai que 5, un truc comme ça. Bon voilà, ça dépend aussi de la longueur des mails et tout, etc. Donc voilà, des histoires je veux dire. Voilà, mais je vais ici... J'ai décidé 1, 2, 3, 4, 5. En fait, je vais raconter 5 histoires. Voilà. Il y a, je vais vous dire 5 histoires, 4 histoires disons, 4 histoires, parce que la cinquième c'est la même personne qui m'envoie son mail pour une petite explication supplémentaire. Donc on va toujours commencer par ça pour voir déjà si ça vous plaît, si la manière dont je vais essayer de dire, moi je suis pas prof d'école, je suis pas prof, voilà, je suis pas maîtresse des écoles, donc... vous me direz si ça vous plaît et si je continue de cette manière là ou si vous avez éventuellement une autre manière de, si vous voulez me proposer une autre manière d'expliquer les choses, voilà. Enfin, nous allons commencer, donc je mets mes lunettes et prenez quand même un petit thé. Enfin, vous savez que moi mes vidéos elles sont quand même assez longues en général, donc voilà, j'ai mon iPhone et du coup On va lire ici, je ne sais plus quel prénom elle m'a dit. Oui, je pouvais donner son prénom. Donc, je vais donner son prénom, c'est Anne-Sophie. Donc, Anne-Sophie, voilà ce qu'elle me dit. C'est la première qui m'a écrit, c'est pour ça que je commence par les premières personnes. Je commence vraiment par les premiers mails que j'ai reçus. Donc, ne vous étonnez pas, je ne vous répondrai pas. Hein. C'est impossible de répondre à chacun. Merci, ne fût-ce que dire merci. Mais je vous remercie évidemment vraiment beaucoup de m'aider à créer cette petite rubrique qui intéressera, je suis certaine, énormément de monde. Parce que j'ai quand même eu des mails aussi qui me disaient oh, oui, c'est vrai, c'est super, parce que c'est vrai qu'on n'ose pas parler de ces choses-là, parce qu'on va nous, on va se moquer de nous, etc. Donc, je pense quand même qu'il y a des gens qui ont vécu des choses bizarres et qui vraiment n'osent pas en parler, mais qui se dévoilent ici, qui pourraient se dévoiler ici, et voilà. Donc, ou qui me racontent un truc en me demandant de ne pas le dire aussi. Mais ça, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus rare. Mais j'ai vraiment eu pas mal de mails, donc continuez à m'en envoyer, c'est bien. Moi, je vais essayer de faire... j'aime beaucoup ce genre de vidéos, donc... je vais essayer d'en faire régulièrement. Je vais en faire régulièrement. Je veux vraiment. Il faut que je mette. Il faut que j'arrive à m'organiser dans mon travail parce que sinon je ne ferai plus que des consultations. Mais moi, mon but c'est pas non plus que ça quoi. Donc voilà. Voilà. Allez, on commence. D'accord. Donc Anne-Sophie. Bonjour Solveig. J'ai adoré ta vidéo de ce matin et ce que tu partages me fait penser à quelque chose de très bizarre que je vis aussi. Donc ça c'était quand je parlais de ma vidéo où je disais un petit peu n'importe quoi, sans comprendre ce que je disais. Donc parfois, sans aucune raison, me vient une chanson en tête. Elle est en anglais, elle n'existe absolument pas en vrai. J'ai déjà cherché un peu, lol. Ce qui est très étrange, c'est que dès le début... comme c'était très présent dans ma tête, j'ai ressenti, ou pressant, je ne sais pas ce qu'elle a écrit, pressant, donc comme c'était pressant dans ma tête, j'ai ressenti que je devais la chanter, en vrai, la faire sortir. Alors, c'est ce que je fais. Le refrain, je te partage, ça commence toujours comme ça. In the night, in the flight, 3 petits points. En parenthèse, si je me rappelle bien. Et après, les mots s'enchaînent et l'air aussi. De manière automatique. Ce qui est fou, c'est que ça doit faire des années maintenant. Non, ce qui est fou, c'est que ça doit faire des années maintenant. C'est pas trop régulier, ça peut venir comme ça d'un coup, j'ai pas trop de repères à quel moment ça apparaît. À peu près une ou deux fois par mois. Et j'ai même pas à réfléchir, c'est toujours les mêmes mots. Le pompon, c'est que je ne suis absolument pas bilingue. Juste quelques notions. Voilà.
Je trouve ça super de pouvoir te partager, bien évidemment, je ne l'ai jamais dit à personne, de peur qu'on me dise, oui, mais tu sais, le cerveau, c'est mécanique, tu as dû l'entendre quelque part, tu ne te souviens plus, et blablabla, blablabla. Moi, je sais que ça vient d'ailleurs. C'est comme une musique magique. Mon pseudo, je ne te poste... Enfin, elle veut bien que je le dise, mais j'ai décidé de ne pas dire son pseudo YouTube, comme ça, je suis... elle est plus anonyme, donc... Voilà, ça c'est personnel donc. Si tu présentes, tu peux. Donc si je présente son histoire, je peux dire son prénom, son pseudo, ça lui est égal. J'ai décidé de dire son prénom, c'est un peu plus anonyme quand même. Et c'est Anne-Sophie. Donc voilà. C'est vrai que c'est un peu bizarre de pouvoir chanter une chanson en anglais alors qu'on ne connaît pas spécialement la langue, d'avoir l'air la musique en tête. Sans jamais l'avoir entendu, c'est un peu comme moi, ça m'est arrivé, ça ne m'est arrivé qu'une fois, donc je parlais et je ne savais pas du tout ce que je disais. Mais moi, c'était pas en anglais, c'était enfin, je sais pas. On m'a donné d'autres explications, des personnes super gentilles, donc m'ont envoyé des mails en me donnant d'autres explications que je vais bien sûr faire quelques recherches et essayer de trouver si j'entends les mêmes sons qui sont sortis de ma bouche. Je ne sais pas. Mais enfin, on m'a donné des pistes à suivre et je vais bien sûr les suivre. Donc, je remercie aussi ces personnes qui m'ont donné ces pistes-là. Voilà pour Anne-Sophie qui maintenant m'envoie un autre mail après celui-là. Elle m'avait dit... Voilà. Juste après, donc, elle m'a écrit. Elle m'en renvoie directement un mail. Juste pour te dire aussi, preuve que ça ne vient pas de moi. Si j'essaie de m'en rappeler comme je sais maintenant, eh bien rien ne vient. C'est que quand ça décide de venir. Belle journée, Anne-Sophie. Donc voilà, c'est vrai aussi que moi, si je veux me rappeler de ce que j'ai dit, je n'y arrive absolument pas. Tout ce que je sais, c'est que ça ne veut, enfin, c'est que pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Et que apparemment, ça voulait quand même dire, parce que c'était des phrases avec des ponctuation, des points, des phrases, quoi. Donc voilà. Et elle, apparemment, je ne saurais pas non plus m'en rappeler. Et Anne-Sophie non plus ne se rappelle pas. Elle, voilà, maintenant qu'elle m'a écrit le mail, elle a voulu se rappeler de cette chanson dans sa tête. Et ça ne lui revient pas. Donc c'est bien la preuve que c'est des choses qui viennent quand ça doit venir. Il y a une certainement une raison. Il y a certainement une raison. C'est peut-être un partage que l'on doit faire par rapport à quelqu'un d'autre. Et nous en sommes l'intermédiaire. Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà. Voilà. Voilà pour ce qui était d'Anne-Sophie. Merci beaucoup Anne-Sophie. Ça va peut-être réfléchir, ça va peut-être faire réfléchir d'autres personnes. Peut-être que certaines d'entre vous, certains ou certaines d'entre vous vont pouvoir se dévoiler aussi. Je vous invite vraiment à me laisser. Pas en commentaire, évidemment. Vous m'envoyez sur le mail qui est fait pour ça, d'accord, s'il vous plaît. Vous m'envoyez sur ce mail qui est ici en dessous vos histoires paranormales. Et comme ça, je pourrai en faire profiter et pas en faire profiter, les partager, voilà, les partager. Si vous avez envie que je partage quelque chose que vous avez vécu. Eh bien, franchement, vous pouvez me le laisser et je me ferai un plaisir de le faire. Voilà. Tout ça, c'est le début en même temps. Hein, donc, je ne sais pas. Là, j'ai quand même eu quelques mails. Maintenant, dans un mois, je ne sais pas si je saurai gérer tous les mails que je recevrai. On verra bien. Voilà. Alors, ça, c'était Anne-Sophie. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ce joli partage. Très intéressant. Je trouve que, de toute façon, tous ces partages sont super intéressants. Et j'aime quand même bien vous dire que j'ai quand même pas mal d'abonnés et des gens aussi, des youtubeurs et des youtubeuses qui m'ont envoyé aussi des messages. Et voilà, des messages, des mails, pardon, et avec leur histoire. Voilà. Alors ici, nous sommes. C'est une personne qui ne m'a pas dit si je pouvais, comment je pouvais, si je pouvais le nommer ou pas. Maintenant, je vais le nommer Louis. D'accord, on va le nommer Louis. Bonjour ma Soldeg, voici donc ci-dessous une de mes expériences paranormales. Contexte. Cela se déroula il y a maintenant plusieurs mois dans ma maison qui, soit dit en passant, était très ancienne
et dans laquelle je me sentais constamment mal à l'aise. Je ressentais la souffrance des personnes qui l'avaient habitée avant moi. Par la suite, j'ai d'ailleurs déménagé. J'entendais des chuchotements, des bruits de pas et parfois même des personnes qui parlaient sans que je comprenne réellement le sens de leurs propos. Et pour conclure, lors du jour de mes 10 ans, j'avais invité 5 de mes amis qui ont eu la brillante idée de m'entraîner dans une séance de spiritisme qui se déroulait au milieu de ma chambre et heureusement pour moi, aucune entité ne s'était alors manifestée. Passons aux faits. J'adore. Il était environ 22h. J'étais couchée sur mon lit, dans ma chambre. Soudain, je me sentis vidée autant énergétiquement que physiquement. Ce fut une sensation qui m'était alors totalement inconnue. Pendant un moment, je me sentis presque partir, quand soudain, la lumière de ma chambre s'éteignit. Quelques secondes plus tard, elle se ralluma, puis s'éteignit de nouveau pendant plusieurs longues secondes. D'instinct, je pris mon téléphone afin de filmer la scène. J'étais au bord des larmes. J'étais presque dans un état second. J'avais éliminé la piste du problème de courant, sachant que nous avions refait l'électricité l'année passée. Et mon intuition me disait clairement qu'une entité était présente dans cette chambre. Je ressentais une grande puissance, si je peux appeler cela ainsi, qui s'émanait de cette entité. Mais paradoxalement, je n'avais pas l'impression qu'elle était négative ou même malveillante. Je ressentais d'ailleurs une énergie plus féminine que masculine, mais je ne suis pourtant pas sûre que c'était une femme. Par la suite, je suis descendue dans mon salon durant une longue heure. Puis, quand je suis revenue dans ma chambre, la pièce était devenue neutre, énergétiquement parlant. Je ne distinguais plus aucune entité dans les parages. Je me suis donc endormie. Et bien voilà, Solveig, voici une de mes histoires paranormales, certainement la plus marquante pour lui donc, hein, en espérant qu'elle vous aura intéressé. Gros bisous. Voilà. Et ben voilà. Merci Louis. Que je connais un petit peu, pas physiquement non plus, mais voilà. Et donc, je sais qui c'est et je sais que c'est quelque chose qu'il a vécu, donc c'est une histoire vraiment incroyable et je sais qu'il vit un peu dans le paranormal aussi et c'est une personne vraiment incroyable, ce Louis. Et bien voilà, je te remercie vraiment d'avoir partagé ce moment un petit peu bizarre de ta vie et voilà, pour peut-être d'autres personnes qui auraient vécu ce cas-là, ben ce serait sympa aussi de me les faire parvenir afin qu'on puisse les partager ensemble et puis que tout le monde puisse peut en profiter. D'accord ? Enfin voilà, je te fais des bisous et je te remercie beaucoup beaucoup d'avoir partagé cette petite histoire avec nous. Alors maintenant, ici j'ai une personne qui m'a envoyé une histoire qui a un prénom assez très très joli et très très mais très très très. Voilà, pour moi, je n'en connais qu'une personne qui s'appelle comme ça. Donc, elle ne m'a pas dit comment je devais... si je pouvais donner son nom ou son pseudo, elle ne m'a pas dit. Donc, voilà, je ne sais pas. On va l'appeler Off. Je vais le noter parce que sinon, je risque de foirer pendant ma vidéo. Off. Et puis, elle se reconnaîtra. Du coup, de toute façon, elle va reconnaître son histoire. Et déjà, je te remercie beaucoup d'avoir envoyé cette petite histoire. Voilà, on y va. Je mets mes lunettes, je suis désolée. Je suis obligée de mettre des lunettes, sinon je ne vois rien du tout. Alors, petite histoire étrange que j'ai vécue. Bonjour, je vous envoie cette petite histoire que j'ai vécue il y a quelques années. Il faut dire que j'étais que très jeune, je faisais des séances de spiritisme. En parenthèse, je n'ai absolument pas peur et je communique parfois avec mes chers disparus avec un grand respect. À l'époque, mes parents et grands-parents avaient une maison de famille sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime. Et nous nous retrouvions, cousins, cousines, tous là-bas pendant les grandes vacances d'été
gardée par notre grand-mère. Un soir, j'ai proposé de faire une séance de spiritisme avec mon frère, ma sœur. Où est-ce que je vais chercher ma sœur? Franchement, il n'y a pas de sœur. N'importe quoi. Ça m'est venu comme ça. Mon Dieu. Je recommence. Désolée. Un soir, j'ai proposé de faire une séance de spiritisme avec mon frère, ma cousine et mon cousin. Avec l'alphabet, le petit vert, oui et non. Nous avions aussi tamisé la lumière avec un chapeau posé sur l'abat-jour. Bien concentré, nous posons la question. Esprit, es-tu là? Quelques secondes après, le chapeau est tombé de l'abat-jour. Petite frayeur de tout le monde, mais nous étions tous conscients que nous avions eu du mal à le placer. Nous recommençons à nouveau et le verre s'est mis à bouger assez rapidement déjà, en faisant des huit un peu incontrôlés. Puis, il s'est mis à nous donner un nom, Roger. Entre parenthèses, le nom de notre grand-père décédé quelques années plus tôt. Je m'étais munie d'un stylo et d'une feuille pour noter les lettres et voir si d'éventuelles phrases logiques apparaîtraient. Après un petit moment, des numéros, puis des lettres qui n'avaient d'apparence aucun sens, mais je notais quand même. Ensuite, une phrase logique s'est détachée. « Je vous protège. » Ouh. Sans trop comprendre le sens de cette soirée de spiritisme, nous décidons tous d'aller nous coucher. Le lendemain matin, je suis allée voir ma grand-mère pour savoir si les messages de la veille avaient un sens. Pas évident, car elle n'aimait pas que l'on s'adonne à ce genre de pratique, mais bon, j'y suis allée quand même. Après avoir décortiqué avec ma grand-mère ces écritures étranges, elle s'arrête un moment, puis se lève, farfouille dans des papiers et revient. Fronce les sourcils et me dit « Mais qui t'a donné ces lettres et ces numéros ?» Et finit par me dire « C'est la plaque d'immatriculation de la voiture de ton oncle et ta tante, que ton oncle et ta tante avaient en partant en Corse. Et l'accident grave qui a suivi, heureusement sauvé miraculeusement, grâce à la galerie de la voiture, en se retournant, qui a permis de faire un habitacle de protection. » À ce moment-là, Solveig, tout a pris un sens à cette soirée que je ne comprenais pas au départ. Une tonne de questions forcément s'en est suivie après. J'étais ado. Maintenant, je suis une femme et je sais que cette soirée-là est... Maintenant, je suis une femme et je sais que cette soirée-là, mon grand-père était parmi ses petits-enfants et qu'ils avaient protégé et qu'il avait protégé ses enfants, donc elle met en parenthèse mon oncle et ma tante, quelques années plus tôt, lors de l'accident. Depuis des années, je me pose toujours la question de savoir si nos proches sont toujours près de nous. Mais maintenant, j'arrive à les sentir. Voilà ma petite histoire, j'espère qu'elle te plaira, et surtout que j'ai été claire, car ce n'est pas très évident à raconter. Merci beaucoup, Off. Moi, Off, je te remercie vraiment parce que, évidemment, j'ai lu l'histoire avant pour voir déjà si elle était... Je ne vais pas prendre un mail sans déjà l'avoir lu. Donc, je l'ai lu avant et j'ai trouvé que c'était une magnifique histoire. Et ça prouve aussi ici que la planche Ouija n'est pas, comme on le pourrait le penser, toujours négative. Donc, ici, il est arrivé quelqu'un... chez toi, vous étiez très jeune, donc il est arrivé une personne et c'était votre grand-père et la protection donc qui s'est avérée donc par rapport à ton oncle et ta tante, c'était bien la preuve que c'était, puisqu'il a donné les numéros de plaque et puis certaines dates si je me souviens bien, donc du coup ça correspond bien quand ils sont partis en Corse, l'accident qui a suivi, et etc. Donc voilà, les numéros avaient un sens. Et je trouve que c'est vraiment génial, cette histoire est vraiment géniale. Elle t'a permis aussi de savoir que ton grand-père était là pour vous protéger, comme tu dis. Et surtout que maintenant, tu arrives à sentir et à percevoir ses présences. Donc c'est vraiment génial. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Je te remercie vraiment de l'avoir partagée avec nous. Et de me donner la possibilité aussi de le partager avec d'autres personnes, voilà. Donc je te remercie beaucoup, beaucoup, je te fais des bisous.
Et puis, encore mille merci pour cette belle histoire et ce magnifique partage. Voilà. Ensuite, ce sera la dernière histoire pour aujourd'hui, parce que, voilà, je sais que ce n'est pas une longue vidéo, on pourra la faire plus longue. C'était juste que je ne savais pas du tout combien de temps j'allais mettre. Je crois que c'est la dernière, je ne sais plus, ou l'avant-dernière, mais je ne savais pas combien de temps j'allais mettre pour faire ce genre de vidéo. Donc, il ne fallait pas que j'en prenne trop à l'avance. Donc ici, ce sera qui m'a... Donc, je peux la... Tu peux dire mon prénom sans souci, mais pas mon nom de famille. Donc, voilà. Donc, il s'agit de Mathilde. Mathilde, donc, m'a envoyé un mail. Petites histoires paranormales. Bonjour Soleil. Tout d'abord, merci pour ton travail que tu donnes sur YouTube. J'ai beaucoup de plaisir à te suivre sur ta chaîne. Merci beaucoup, Mathilde, c'est gentil. Je suis Mathilde, je suis clairaudiente, clairvoyante, je ressens aussi les énergies et je pratique le magnétisme. Je m'excuse par avance pour les fautes d'orthographe. Tracasse, il y en a vraiment très peu. Alors, les petites histoires que je souhaite partager avec toi sont les suivantes. C'était le matin. Ah oui, j'ai envie de vous dire en parenthèse, une petite parenthèse, si vous faites des fautes d'orthographe et que vous avez envie de m'envoyer, vous auriez eu envie de m'envoyer une histoire, mais que vous avez peur de faire des fautes d'orthographe, je m'en fous pas mal, moi, des fautes d'orthographe. Moi, sincèrement, on s'en fout des fautes d'orthographe. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le partage et de partager vos histoires, voilà. Donc, si c'est ça qui vous retient, je m'en fiche complètement et j'en parlerai même pas. D'accord, donc voilà. Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour vos fautes ou pas fautes. Voilà. Alors, c'était le matin. Je dormais dans ma chambre et je me suis fait un peu réveiller par un bruit que je connais. Dans un demi-sommeil, j'identifie ce bruit. C'était mon appareil photo numérique qui s'était mis en marche tout seul. Il était posé sur une étagère en face de mon lit. Jusqu'ici, rien de paranormal, tu penseras. Et pourtant, cela faisait plusieurs mois que la batterie était complètement à plat et que je ne m'en servais plus. Je me dis que c'est bizarre et je ne me rendors pas, bien sûr. Et là, mon appareil se remet en fonction. J'entends carrément le cache de l'objectif qui saute et j'entends le bruit que fait l'appareil quand on prend une photo. Je regarde en direction de l'étagère pour vérifier que je n'étais pas en train d'halluciner et je vois le cache vaciller au bout du fil qui le tient à l'appareil. Et je vois l'objectif qui était ouvert. Comme la maison où j'habitais à l'époque était vraiment chargée, je me dis que c'est une entité qui cherche à me faire peur. Alors, je décide de ne pas lui donner d'énergie et je l'ignore. J'attends environ 20 minutes et je vais voir mon appareil pour vérifier à détail. Le bouton on-off. Celui-ci était sur off, donc fermé. Donc, mon appareil avait tenté de prendre une photo alors que la batterie était naze et en plus, il était éteint. Une autre expérience que j'ai vécue était un message d'une personne défunte. Je suis amie avec une personne qui tient un magasin de cristaux et en général, il m'arrive des petites choses chez elle. On était en plein après-midi. La boutique contenait quelques clients et comme à mon habitude, j'ai donné un coup de main à mon ami en répondant à quelques questions à des clients sur les pierres. J'ai donné un coup de main à mon ami en répondant à quelques questions des clients. C'est moi qui ai mis le A. Donc, à quelques questions des clients sur les pierres. D'un coup, j'ai la sensation que... D'un coup, j'ai la sensation que quelqu'un est dans mon dos. Je me retourne et rien. Personne. Je comprends qu'une entité est derrière moi et je reste calme. Puis j'entends un prénom en boucle dans ma tête. Marie-Lise. Marie-Lise, Marie-Lise, Marie-Lise. Ne voulant pas faire peur aux clients, je décide de me taire. Je rentre le soir chez moi et je sens encore cette présence à côté de moi. Je décide de lui demander ce qu'elle veut et elle me dit « Tu diras à Laura que je suis bien là où je suis. » Tu diras à Laura que je suis bien là où je suis.
Laura est le prénom de mon amie qui tient la boutique. Chose promise, chose due. Quand je revois mon amie, je lui fais passer le message et effectivement, elle connaissait bien une Marie-Lise qui était décédée. Étrange, paranormal. Enfin, moi, je trouve ça pas étrange, hein. Ce sont des sensations que je connais. Mais c'est quand même pour moi, c'est très agréable de savoir, pas agréable, mais ça me réconforte de savoir que des gens ressentent les mêmes choses que moi et le partagent. Et ça me fait super plaisir. Alors voilà les histoires que je voulais partager. Si tu les trouves intéressantes, tu peux les lire sur ta chaîne et tu peux dire mon prénom sans souci, mais pas mon nom de famille. Je te souhaite une bonne continuation et plein de belles choses et encore merci pour tes tirages. Donc voilà, donc c'était Mathilde et après je crois que j'ai terminé. Oui, donc on va terminer ici avec l'histoire de Mathilde qui est super quand même ouf quand même. Je trouve que c'est vraiment super bien de m'avoir vraiment envoyé ce genre de petites histoires. Je pense que ça plaira. J'ai vraiment l'impression que ça va plaire à beaucoup de monde, ce genre de petites histoires. Donc là, j'ai fait, disons Anne-Sophie, un mail, deux mails, trois mails, quatre mails. Donc voilà, j'ai fait quatre mails, j'ai 26 minutes. Donc je pense qu'on pourrait peut-être faire cinq mails par vidéo. Pourquoi pas, et je vais essayer de respecter les personnes qui m'ont, donc voilà, Anne-Sophie était la première à qui m'a envoyé un mail, ensuite Louis, ensuite Off, ensuite Mathilde, j'en ai encore beaucoup d'autres, et j'en ai qui viennent de l'étranger, donc j'en ai par exemple, si elle va se reconnaître, je te fais un coucou, je ne dis pas ton prénom, parce que c'est une youtubeuse, et elle est du Canada, elle m'a envoyé aussi une histoire paranormale, donc je vous lirai, mais je ne pense pas qu'elle veuille que je dise son prénom. Je ne le dirai pas, mais je la connais et beaucoup la connaissent. Beaucoup, oui, je pense qu'il y a beaucoup quand même qui la connaissent, surtout dans les abonnés. Donc voilà. Donc voilà, on verra un petit peu ça. Donc je suis vraiment contente, je vous remercie tous et toutes de m'envoyer ce genre de mail. Ah, ben voilà, qui voilà. Ici, je n'ai pas encore lu. Bon voilà, il faudrait que je lise parce que ça je connais, c'est quelqu'un, c'est un consultant et en même temps c'est un youtubeur, non, c'est un abonné. Voilà, et ben voilà, je vous laisse, je vous laisse et je vous demanderai de me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Il est possible que je n'arrive pas à vous répondre, mais de toute façon sachez que je lis les mails. Je les lis toujours, tous, pas les mails, oui, les mails, bien sûr, je les lis toujours, tous, mais les commentaires, je les lis, puisque ils apparaissent, comme je vous dis, ils apparaissent toujours dans le coin de mon ordi, et donc je les lis. Maintenant, c'est vrai que je ne vais pas toujours faire un petit cœur ou un petit pouce, ou donner une réponse, tout simplement, c'est parce que je n'ai pas le temps d'aller voir, parfois je lis le mail, je lis le message et puis je dis il faut que j'aille voir, parce que si je réponds à ce message là qui est venu après d'autres abonnés que je connais aussi et que je réponds à cette personne, mais d'abord il faut que je commence par le commencement, donc enfin il faut que je commence par le début des personnes qui m'ont mis des commentaires, sinon bon je peux pas non plus répondre que à celui là et puis du coup je dis ça va, je le ferai tout à l'heure, je le ferai demain et puis voilà, je le ferai demain, puis je le referai demain, puis je le referai demain, et parfois j'ai répondu l'autre jour, il y avait un an que ma vidéo était faite, donc parfois on va se dire, des fois celle-là me répond sur un truc il y a un an, oui, mais voilà, je ne regarde pas toujours la date de la vidéo, ou même pas parfois la vidéo, je réponds simplement au mail, aux commentaires, j'y arriverai, aux commentaires. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous demande vraiment de me laisser, je vais mettre mon mail, c'est uniquement sur celui-là, s'il vous plaît, envoyez-moi uniquement sur ce mail-là, donc Solveig Cartomancy, d'accord, Solveig Cartomancy, pour tout ce qui est des histoires paranormales. Sinon, sincèrement, je ne pense pas que je prendrai sur mon autre mail, parce que je suis là, sur l'autre, il est débordé de mails, celui-ci, c'est uniquement pour si vous voulez me dire une histoire paranormale. S'il y a autre chose, je ne répondrai pas, je ne saurais pas, je n'ai pas le temps.
D'accord? Donc ici, je me consacre pour ces vidéos-ci avec ce mail-là et c'est tout. Et et voilà, et si vous désirez me faire partager une histoire, rien qu'avec moi, vous pouvez. Ça m'intéresse toujours. Et si vous voulez que je la, partage, vous me le dites. Et surtout, n'oubliez pas de me dire sous quel nom vous voulez, ou sous quel pseudo, ou si je peux dire votre pseudo, ou votre... Voilà, vous me dites surtout comment je dois... de qui elle vient, quoi. Comment je peux la présenter. Parce que c'est quand même bien de donner un nom ou un pseudo. Voilà. Voilà, en tous les cas, je vous remercie, parce que j'en ai quand même eu pas mal. Je ne sais plus combien j'en ai, je vais regarder si j'arrive à voir combien j'en ai. Oups. Ah oui, non, je les ai. C'est pas celle-là. Je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 13, 14, voilà. J'ai 14 mails, maintenant, ce n'est pas, peut-être, je ne les ai pas encore lus, donc ce n'est peut-être pas tous des mails pour partager, mais j'espère vraiment que vous allez continuer à m'en envoyer, parce que j'adore ça, et c'est vraiment mon truc, et vraiment, j'ai envie de faire ce genre de vidéo. C'est vraiment, ça fait un petit bout de temps que j'avais envie de le faire, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre, et puis j'étais tellement débordée. Et puis là, par rapport à ma santé aussi et à mon cervelet, je me suis dit, je ne peux pas non plus ne vivre que pour les consultations et que par les consultations, parce que tout, il n'y a que ça qui compte. C'est vrai, ça compte énormément. Je ferai les consultations de tout le monde, mais là, j'en ai tellement que c'est, voilà. Je vais essayer de m'octroyer, je vais dire, allez, un jour par semaine pour faire mes vidéos. Voilà. Déjà, si je peux m'octroyer une journée entière ou deux journées, je vais essayer. Donc, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est pas arrêter une semaine. C'est juste ne pas faire de consultation un jour ou deux jours si j'y arrive. Voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous faire plein de bisous. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Vraiment. Et surtout, n'hésitez pas de partager vos petites expériences avec moi. Même si vous pensez qu'elles sont vraiment, ouf, ben faites-le, parce que moi, j'ai vécu des trucs de ouf aussi. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir j'ai l'impression qu'on se connaît encore plus. Et que moi aussi, j'entre chez un peu dans vos vies. Je suis encore plus proche de vous, quoi. Donc ça me fait super plaisir. Et c'est vraiment un sentiment un peu bizarre, mais j'adore. Vraiment. J'adore vraiment. Et si vous avez envie de me faire partager une expérience paranormale, j'en connais déjà d'autres personnes qui sont vraiment à ne pas divulguer, évidemment. Ça me fait plaisir aussi de les lire. Et puis je vous efface, et puis voilà, il n'y a pas de... Voilà, je ne peux pas garder ça non plus. Et puis de toute façon, j'ai mes vidéos pour m'en rappeler. Mais... je les effacerai et ce sera ni vu ni connu. Personne ne tombera sur mon iPhone si je décède demain. De toute façon, voilà, mon mari et ma fille savent très bien ce que je fais. Elles n'iront jamais, ce sont des gens normaux, ils n'iront jamais divulguer quoi que ce soit, n'importe comment. Voilà, au cas où je meurs. Et si je ne meurs pas, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo paranormale. Ouh.